Les pieds dans le plat. Qui peut battre Mimi Mathy? Il peut ça battre fout une pression. Jingle spécial. Parce que si je gagne, elle gagne pas. Ah bah non. Donc je la prive de... Mais bon, on s'habitue. Je vais faire semblant d'être bête. On s'habitue à être cruel, vous en faites pas. Alors, je vais répondre à rien. Si Mimi, pendant une minute, en plus je sais que Mimi arrive ici. Elle va jouer contre Carlo, c'est ça? Allô? Il est toujours vivant? Allô? Bonjour Carlos. Comment ça va Carlos? Très bonne vanne de Mimi. Ça va bien, merci. Vous êtes technicien dans le BTP à Tours. Bonjour Carlos. Vous êtes content du nouveau tramway ou pas à Tours? Vous êtes content du nouveau tramway? Ouais. C'est important. Très bien. C'est vrai qu'il a coûté 433 millions d'euros, ça a coûté cette histoire. Là d'un seul coup, là, il y a un blanc. Je vous le dis Carlos, vous allez jouer contre Mimi Mathy. Est-ce que vous êtes confiant? Ouais. Moi j'ai l'air bête comme ça. Je suis confiant. Alors, bon. On va démarrer avec Mimi Mathy. Une minute de questions sur tout ce qui s'est passé dans l'actualité. Et juste après... Je sais où t'habites, Mimi. On va peut-être pas donner l'adresse à l'antenne. Non, jamais. Allez, on joue avec Mimi. Donc maintenant, on joue avec des serial killers, donc c'est bien. C'est très sympa. Carlos, hier, vous l'avez vu dans Faites Entrer l'accusé, aujourd'hui, il joue avec nous sur Europe 1, mais on l'aime bien quand même. Carlos, allez, on joue contre Mimi Mathy. C'est Mimi qui démarre. Une minute de questions. Top. Quel grand acteur a démissionné de la présidence du comité Miss France? Ah ben Alain Delon. Quel conseil régional est présidé par Ségolène Royal depuis 2004? Le conseil Charente-Poitou, je sais pas quoi là. Oui, Poitou-Charente. Quel film a pour bande originale? Les Bronzés. Oui. Sachant que ce n'est pas François Hollande, quel François habite au Vatican? Le pape. Oui, pour la quatrième fois, quel président de France Télévisions devra annoncer aujourd'hui le départ du patron des programmes de France 2? Rémi Flamena. Oui. Combien font 7 x 6? 42. Oui, vrai ou faux, le cousin de Batman et de Superman est Jean-Luc Reichmann? Faux. À partir de quel taux d'alcool Gérard Depardieu, comme tous les Français, a interdiction de prendre le volant? 12 litres. Non. 12 litres. 0,5 grammes. Attention, vrai ou faux, la capitale de la Suisse est Genève? Non, c'est Lausanne. Non, c'est Berne, mais c'est bon quand même, si vous avez dit faux. D'après des scientifiques, le sol de quelle planète rouge serait bien plus fertile que celui de la Lune et de la Terre? Mars. Oui, dans quelle ville Patrick Mennucci a-t-il remporté la primaire socialiste? Marseille. Après avoir servi 6 présidents successifs... Non. On ne finira pas cette question, d'ailleurs on la gardera pour la prochaine fois, comme d'habitude, bien sûr. Alors... Et Mimi Mathy, 10 points. Wow, bravo. Donc ça veut dire qu'il n'a pas gagné notre Tourangeau. Ah non, faut qu'il fasse la même chose. Faut qu'il fasse mieux. D'accord. Faut qu'il fasse mieux que vous. Carlos, est-ce que vous êtes prêt? Oui. Ah, on la ramène moins, Carlos. Hein. La petite, elle a assuré. Hein. Ah là, il va falloir battre 10 points, Carlos. Wow. Carlos, top. Quelle équipe de foot emmenée par un certain Zlatan est actuellement en tête de la Ligue 1? Paris. Oui. Quel jeu mythique présenté par Jackie Gallois revient dès aujourd'hui sur Europe 1? La voiture Europe 1. Europe Stop, top. C'est Europe Stop, ça s'appelle. Ouais. Bon, on peut. C'est la même chose. On le prend. Dans l'idée, c'était le même. Ouais, il connaît le concept. Quoi. On le prend. Allez, on prend cette réponse. Top. Quel film a pour bande originale? Amérique, non? Oui. Combien font 8 par 7? 56. Oui, vrai ou faux, après avoir confondu Leonardo et Leonardo, François Hollande a demandé à Leonardo de lui dédicacer un maillot du Paris Saint-Germain. Faux. top, ça arrête. T'imagines Mais ça pourrait être vrai. Allez, on repart, Carlos. Top. Quel poète de l'équipe de France a déclaré que certains commentateurs étaient des clochards et des parasites? Oui, dans quel palace londonien le tennisman Andy Murray est-il arrivé en retard pour recevoir l'ordre de l'Empire britannique? Palais Royal. Buckingham Palace. Dans quelle région qui sent bon la crêpe, le bois est-il actuellement le plus cher en France? La Bretagne. Oui. Selon Jacques Prévert, qui dit non avec la tête mais oui avec le cœur? Vite. Passez. Pas. C'était le cancre. Il dit oui. Il dit non avec la tête mais oui avec le cœur. Alors, il y avait 10 points à battre. Je vais pas vous mentir, Carlos. J'ai posé 9 questions. On n'est pas. Il y a un indice là. Il y a un gros indice. Déjà, il y a. C'est pas facile. Je pense que psychologiquement, Carlos peut se préparer là. Oui. C'est peut-être pour vous préparer, Carlos. Non, il y a encore un peu de suspense. On ne sait pas.
C'était pour vous préparer parce que je vous aime bien, Carlos. Carlos, vous avez fait 7 points. C'est Mimi Mati qui est championne. Donc c'est moi qui gagne les 150 euros. En fait, les 150 euros sont remis en jeu. Exactement. Eh bien, merci Carlos d'avoir été avec nous. Je vous offre quand même 2 places de cinéma. D'accord, Carlos ? Bah, désolé, Carlos. Voilà, et puis à dimanche, dans Faites Entrer l'Accusé. Ah bah oui. Magnifique, Carlos. Je vous embrasse très fort, Carlos. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, on aura Jean-Marie Bigard qui viendra nous rejoindre sur Europe 1 pour nous parler de son dernier spectacle et de la sortie.